Amen. Amen. Acclamez, manifestez la joie de Dieu, acclamez. Sans plus tarder, on va laisser la place pour Pasteur. C'est le prédicateur de ce soir. Et lorsqu'il va passer, manifestez ta joie en acclamant. Acclamez, acclamez. Nous sommes debout, encore une fois. Nous sommes debout. Les chantres, vous pouvez nous reprendre vos places. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Jean. Au nom de Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Alléluia. On peut reprendre nos places et acclamer pour la gloire de Dieu. J'ai béni l'Éternel pour la grâce, pour l'amour qu'il nous a offert d'être devant sa présence. Et je sais que chaque temps que l'Éternel nous offre un temps, un moment merveilleux, parce que l'Éternel a quelque chose de meilleur pour nous. Et je crois et je le sais que ce soir, que l'Éternel a préparé quelque chose pour vous et moi. Et j'aimerais vraiment te rassurer, et si nous sommes devant sa présence, la Bible dit, il a envoyé la parole et la parole nous a guéris. Et dans ce récit que nous venons de lire, la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous a choisi. Dieu t'a choisi. S'il faut dire un thème, je dirais à l'église de Dieu, Dieu t'a choisi. Et lorsque nous parlons d'un choix, il y a des fois, quand on veut faire quelque chose, c'est nous qui faisons un choix de ce que nous voulons. Mais si Jésus est en train de nous dire, de te dire et de me dire, ce n'est pas toi qui as voulu, ce n'est pas toi qui lui as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Et il t'a choisi afin que tu portes des fruits. Tu portes des fruits et que ces fruits-là demeurent. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose à l'église avant de progresser. Et quand Dieu fait un choix, Dieu, il ne t'a pas choisi par rapport à tes capacités. Dieu ne t'a pas choisi par rapport à ta connaissance. Mais Dieu t'a choisi, c'est sa volonté. Nous devons se rendre compte que nous, les enfants de Dieu, nous dépendons de la volonté de Dieu. Nous, le contraire, Dieu ne dépend pas de notre volonté. Et lorsque Jésus nous a appris à prier, lorsque les disciples nous ont posé la question, apprends-nous à prier, Jésus les a dit, vous devez dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu ne domine pas seulement sur la terre, la volonté de Dieu domine sur la terre et au ciel. Alléluia. La volonté de Dieu domine dans le visible et dans l'invisible. Alléluia. Laisse-moi te dire, Église de Dieu, je suis venu t'affirmer ce soir que Dieu t'a choisi. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu étais avant, mais Dieu t'a choisi. Et lorsque tu entres dans le choix de Dieu, il arrive, il y a des fois, on peut se poser des questions en disant, est-ce que je suis à mesure? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux l'accomplir? Cela ne dépend pas de toi, mais lorsque Dieu t'a choisi, laisse-moi te dire, Dieu t'amène aussi à faire, à réaliser des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Alléluia. Dieu t'amène aussi à une capacité de réaliser des choses que tu ne pouvais pas faire avant. Et l'Église, et je suis venu t'affirmer que Dieu t'a choisi. Et lorsque le choix de Dieu tombe sur une personne, tu peux être méprisé, négligé par des hommes. Mais lorsque le choix de Dieu tombe sur toi, laisse-moi te dire, peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce que le monde peut dire, personne ne peut contredire la volonté de l'Éternel. Et la Bible me dit, rien ne s'oppose à ses pensées. Église Égisévi, j'aimerais t'apprendre que la volonté de Dieu est sur toi. Le monde peut contredire, le monde peut t'ignorer. Le monde peut ignorer ta existence, peut te juger très petit, vaut à rien. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu entres dans le choix de Dieu, cela veut dire que de grandes choses vont s'opérer dans votre vie. Et laisse-moi te dire, le choix de Dieu n'est pas un choix hasard ou un mauvais choix. Lorsque Dieu fait un choix, c'est un choix agréable. Et ma Bible me dit, pour que nous puissions avoir Jésus-Christ, Dieu a donné le meilleur. Dieu a donné le meilleur de son royaume. Et la Bible dit son Fils unique.
Et quel fils unique, Jean chapitre 1 nous détermine, nous dit, au commencement était la parole, tout a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Mais Dieu a choisi pour sauver l'humanité, il nous a offert son fils unique. Vous allez se rendre compte, quand Dieu demande aussi à nous, Dieu nous demande aussi le meilleur. Et laisse-moi te dire ce soir, t'affirmer ce soir que tu es le meilleur. Tu peux te sous-estimer, mais laisse-moi te dire une chose, que tu es le meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu t'a choisi, peu importe le prix à payer, peu importe la manière que tu peux avancer, peu importe les souffrances que tu peux endurer, peu importe la tempête, peu importe les réalités, ne lâche jamais tant que tu n'as pas atteint ton but. N'abandonne jamais tant que tu n'as pas avancé, tant que tu n'as pas touché ton trophée. Et laisse-moi te dire une chose, lorsque j'ai regardé cela, j'avais sommeil, du coup j'avais plus sommeil. Je voulais savoir comment de ces gens-là vont finir. Et laisse-moi te dire une chose, le prix que cet homme-là a payé, à un moment donné, ils sont arrivés à un endroit, il y avait une fleuve, l'eau était agitée, ils ont vu un homme dans un cheval. Alléluia. Ils essayaient de communiquer avec cet homme-là n'attendait pas parce que l'eau était tellement agitée. Mais l'homme-là a pris l'initiative en disant, il a pris un morceau de pierre avec un papier, avec un crayon, emballé ensemble, jeté de l'autre côté. Ils ont écrit, on cherche la civilisation, parce que le vol qui a été tombé, c'était nous. Vous pouvez nous sauver. Lorsque le Messie a regardé la lettre, il a regardé encore les gens-là. Il a dit, attendez, il a pris un morceau de pain qu'il a jeté de l'autre côté. Alléluia. Le pain que Dieu te donne aujourd'hui, toi que Dieu a choisi, c'est la parole de l'Éternel. Le pain qu'ils ont reçu, c'était l'espoir que la vie est toujours là, que toi tu ne mourras pas, que toi tu ne tomberas pas, que toi tu entreras en possession de ce que tu es. Laisse-moi te dire, tes capacités ne comptent pas lorsque Dieu t'a choisi. Ta personne ne compte pas lorsque Dieu t'a choisi. Lorsque Dieu t'a choisi, l'unique chose que toi tu dois faire, tu dois dire oui. Alléluia. Et lorsque j'essayais à expecter le choix, parmi les choix que Dieu a fait, lorsqu'on parle de Moïse, on voit un homme que Dieu a utilisé puissamment. Dieu était en Moïse. Et lorsque Dieu t'a choisi, ce n'est plus toi. Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si l'église de Dieu, si Dieu t'a choisi, ce n'est ni ta force, ni ta capacité, ni ta personne. Et ce que même j'ai vu que Dieu aime choisir de faibles pour faire prouver sa gloire. Si tu es déjà scientifique, si Dieu t'a choisi, tu dirais que je connais toute la mathématique. Mais lorsque le choix de Dieu tombe sur toi, ne regarde pas ta personnalité, ne regarde pas tes capacités. Parce que Dieu peut t'utiliser peu importe ce que tu es. Il y a une chose que j'aime dire. J'ai dit, si c'était une élection, personne ne pouvait voter pour moi. Alléluia. Donnez-moi un amen. Si c'était une élection, personne ne pouvait voter pour moi. Lorsqu'avant de voter pour quelqu'un, on veut savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, quoi est-ce qu'il a fait. Laisse-moi te dire, Dieu peut bouleverser des plans, même des gens qui sont plus capables. Il peut changer ça par accord de sa volonté. J'aimerais apprendre quelqu'un. Lorsque je te dis que Dieu t'a choisi, Dieu a commencé déjà à agir. Alléluia. Et j'aimerais rassurer quelqu'un. Si dans ce monde ça peut arriver ainsi, combien a plus forte raison auprès de ton Dieu. Si les gens peuvent voter à cause parce qu'ils aiment une personne, combien a plus forte raison. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu t'a choisi pour que tu sois sauvé premièrement. Dieu t'a choisi pour que tu vives de bonnes choses. Dieu t'a choisi pour que tes limitations tombent. Dieu t'a choisi pour que quelque chose de nouveau change dans votre vie. Dieu t'a choisi pour t'amener dans une autre dimension. Des choses que tu n'as pas vues avant Dieu, avec Dieu tu le verras accomplir à cause de l'Éternel. Alléluia. Et lorsque Dieu choisit, c'est pour cela que les hommes ont choisi Barnabas. Alléluia. Les hommes ont choisi Barnabas. Personne ne pouvait voter pour Jésus. Comment expliquer? L'homme qui multipliait les pains, 5000 personnes, 3000 personnes qui ont mangé. L'homme qui guérit, qui purifiait les lépreux, qui donnait la vie aux aveugles. Au moins l'élection humaine, personne n'a pu voter. Laisse-moi te dire, l'église de Dieu, personne ne peut te choisir, mais Jésus t'a choisi. Lorsque Jésus t'a choisi, ayez confiance à l'Éternel. Fais confiance à ce Dieu-là. Peu importe le monde, ce que le monde diront, peu importe ce que les gens vont dire, accroche-toi à ton Dieu, tu verras la main de Dieu va agir sur toi.
Alléluia. Laisse-moi te dire, vous savez, vous voyez ces pupitres-là. Avec toutes les volontés du monde que je peux avoir, je ne peux pas les faire. Même si vous me donnez tous les matériels les plus perfectionnés d'aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. Un frère l'a fait. Alléluia. Un frère l'a fait d'ici, de l'église. Lorsqu'on a regardé ça à l'intérieur, c'est combien de bergers? Vous avez oublié? Presque 800. Il y avait même des 1300. Alléluia. Un frère l'a fait. Mais cela veut dire quoi? Quand Dieu nous parle qu'il t'a choisi, l'église de Dieu, si nous voulons aller en avant, l'église EJCV, c'est l'ensemble de compétences et de qualités humaines. Cela veut dire, il y a des choses que je ne sais pas, toi tu le sais. Il y a des choses que toi tu ne sais pas, moi je le sais. Notre force ne sera pas d'abord des milliards. Lorsque Dieu nous a choisis, il nous a mis ensemble, nous sommes plus forts qu'une pyramide d'Égypte. Nous sommes plus puissants et plus dangereux. Ce que nous ne pouvons pas faire, les mamans peuvent le faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, les papas peuvent le faire. Ce que les papas ne peuvent pas le faire, les jeunes ne peuvent le faire. Laisse-moi te dire que Dieu t'a choisi. Ce que je ne sais pas, toi tu le sais. Alléluia. Et j'aimerais apprendre à quelqu'un. Ça s'est passé dans la vie de Moïse. Lorsque Dieu a visité Moïse, Moïse avait quelque chose dans sa main, déjà. Alléluia. Moïse avait déjà quelque chose dans sa main. Étant donné que Moïse était berger, Moïse avait déjà l'habitude de marcher avec quelque chose dans sa main. Et lorsque Dieu lui a rencontré, il a dit, Moïse voyait que des difficultés, il voyait que des problèmes. Il dit, les Égyptiens sont trop durs. Et non seulement ça, même les Hébreux, ils sont des problématiques. Est-ce qu'ils vont me croire? Alléluia. Et lorsque le choix de Dieu tombe sur toi, ne crains pas, même s'il y a l'incrédulité, même si le cœur de Pharaon est dur, va enseigner la parole de Dieu, va proclamer la parole de Dieu. N'hésite jamais parce que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi qui vas agir, ce n'est pas toi qui vas opérer, mais c'est Dieu lui-même qui va agir en toi. C'est pour cela que Jésus te dit aujourd'hui, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Vous savez, je rends gloire à Dieu. Il y a des gens qui se convertissent, ils reçoivent la parole, ils sont convertis. Il y a des gens qui reçoivent aussi les grâces, la visitation, ils les convertissent. Mais nous tous, nous courons pour une seule but, le royaume des cieux. Et lorsque Dieu choisit sur toi, n'hésite pas. Il y a même des enfants de Dieu qui ont peur, qui tremblent. Alléluia. Ma sœur, que Dieu te bénisse aujourd'hui, tu peux filmer. Alléluia. Donnez bon amen. Et lorsque j'ai médité sur ça, j'ai entendu dans mon esprit quelque chose. Dieu n'a rien à prouver. Dieu n'a rien à prouver. Dieu n'a rien à prouver. Si Noé prie, Dieu n'a rien à prouver. Si Béli peut chanter, Dieu n'a rien à prouver. Si Karen peut chanter, Dieu n'a rien à prouver. Alléluia. Il a tellement fait de choses. Il a dit un seul mot que la lumière soit et la lumière fit. Il a séparé la mer rouge. Donc Dieu n'a rien à prouver. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, Dieu n'a rien à prouver. Alléluia. Je n'ai pas peur de voir Paul un jour prêcher la parole de Dieu. Dieu n'a rien à prouver. Et accepter seulement que tu étais appelé. Il y a un moment donné, je vais voir Meshach prêcher la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a rien à prouver. Alléluia. Si Dieu a pris Pierre en disant, tu es Pierre, mais je te ferai un pécheur d'homme, pourquoi pas aujourd'hui? Ma parole est oui et amen. Cette parole n'a pas changé. Cette parole n'a pas vieilli. Cette parole est identique. Ça n'a point changé. Alléluia. Étant donné que cette parole n'a pas changé, ce que Dieu a fait dans les temps anciens, il peut le faire aujourd'hui même plus que ça. Alléluia. Il peut le faire plus que ça, au-delà même de ça, parce que Dieu est capable. Je ne sais pas si quelqu'un croit ce soir que Dieu est capable. Je ne sais pas si quelqu'un croit réellement que Dieu est capable. Si tu crois, j'aimerais attendre que tu dises, mais je le crois. Alléluia. Dieu n'a rien à prouver. Je vois qu'il est en train de vivre pour son Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut prouver?
L'impossible devant Dieu, Dieu le rend possible. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à qui? Non, je n'ai pas entendu. Oh non, je n'ai pas entendu. Il y a des choses, l'homme a des limites. Laisse-moi te dire une chose, même le diable a des limites. Donnez-moi un amen fort. Même le diable a des limites. Même Jean-Félix a des limites. J'ai compris les choses en Dieu. Laisse-moi te dire, j'ai vu ça dans la vie d'apôtre Paul. Paul disait, il faisait des miracles. Dieu l'utilisait, mais Dieu lui a laissé quelque chose au dos jusqu'à sa mort. Alléluia. Moïse, Dieu lui a utilisé, mais Dieu a permis que personne ne voie le tombe de Moïse. Même l'homme a des limites. C'est pour cela que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Laisse-moi te dire, l'église de Dieu, si quelqu'un ne croit pas à ton Dieu, moi je te dis que tu es puissant. Moi je te dis que ton Dieu est grand. Il fera de grandes choses à travers ta main. Il te fera de grandes choses apparaître à travers ce que tu as déjà. Ce que tu as, mets ça en communication avec Dieu. Et Dieu agira. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand nous sommes dans la foi, il y a même des parents qui oublient de bénir leurs enfants. Il y a des parents qui oublient. Hein. Moi, jamais mes parents m'ont appelé que non, écoute, on te bénit. Je n'ai jamais cette grâce-là. Et la Bible même nous dit qu'un prophète s'est présenté devant un père en disant qu'il y a l'huile qui est venue. L'huile-là, c'est la royauté. Amène-moi tes enfants. Le père a amené des enfants. Des enfants sont venus. Dieu a choisi quelqu'un, mais il a oublié un. Laisse-moi te dire une chose, si Dieu t'a choisi, si le monde t'a oublié, si le monde t'a négligé, si le monde ne croit pas en toi, moi je te dis que Dieu, il ne t'a pas jamais oublié. Amen. Dieu ne peut pas t'oublier. Yes. Même si personne ne te regarde, Dieu te connaît. Yes. Même si personne ne pense à toi, Dieu te voit. Même si personne ne croit en toi, que Dieu croit que toi, à travers toi, il y aura de bonnes choses. Amen. Et ce que j'aime en Dieu, même la vieillesse n'agit plus. S'il veut faire. Et surtout que s'il t'a choisi. Abraham, tu ne mourras pas, tu verras la main de Dieu. Abraham, je te parle aujourd'hui. Tu verras la main de Dieu. Ce que Dieu a promis, cela va s'accomplir. Comme pasteur nous a dit, Dieu veille à sa parole. Attends seulement, tu verras l'accomplissement. Et Moïse avait déjà quelque chose dans sa main. Et laisse-moi te dire que Dieu, lorsqu'il parlait à Moïse, Moïse avait un buisson. C'était spectaculaire, mais moi je devais être agité. S'approcher pour voir. Mais une chose, Moïse ne savait pas que c'était Dieu. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel a parlé, c'est que j'aime l'Éternel. Parce que le Dieu, ça peut être des Mizamizam aussi, ça existe. Mais laisse-moi même des Mizamizam ne peut pas devenir éternel. Un morceau de bois peut être mangé par des Nselele. Nzambe na bango ba lié pas pour lui. Alléluia. Et quelqu'un qui se dote, Dieu peut mourir. Et demeurer en terre. Alléluia. Mais l'Éternel ne meurt jamais. Il n'a ni commencement ni fin. Cela veut dire dans ta vie, il n'y aura ni commencement ni fin. Tant que tu es avec Dieu, même si tu meurs aujourd'hui, la Bible dit, et quiconque vit et croit en qui? En moi. Même s'il meurt, il vivra. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Quand il y a des fois, j'ai peur de parler de certaines choses. Vous ne savez pas pourquoi j'ai peur. Ça, j'ai peur de basculer dans les mauvais côtés. Imaginez, pour les autres, je suis orgueilleux. J'ai déjà entendu ça. Pour les autres, je suis orgueilleux. Vous comprenez, je n'ai rien, je suis orgueilleux. Quel orgueil je vais faire? Maintenant, si je commence maintenant à parler de certaines choses, là, je vais basculer dans les mauvais côtés. Voilà, confirmé. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, n'hésite jamais à témoigner ton Dieu. Toutes les bonnes choses qu'il a fait dans ta vie. Regardez, vous ne comprenez pas. Vous voyez le monsieur là, calme là. Il sait beaucoup de choses. Vous le voyez, il est devenu très calme. Ne pensez pas quand vous voyez Jean-Félix pasteur, il était né pasteur. Non, c'est faux. Mais lorsque le choix de Dieu tombe sur toi, même ton identité change.
Le nom de la malédiction quitte et le nom de la bénédiction te touche. Une nouvelle vie commence. C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moïse a dit, quand tu as l'eau, parce qu'il m'a ponié. Personne ne peut t'interdire, parce que lorsque Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Et alléluia. Et vous savez, à l'époque de Jésus, c'était terrible. Même Jésus a failli être lapidé. Dire à un voleur, je pense que cette histoire-là, c'était à la croix. Dire à un voleur, tu rentreras au ciel. Faut revenir. Dire à un voleur d'entrer au ciel. Mais laisse-moi te dire, peu importe ce que tu étais avant, lorsque le choix de Dieu tombe sur toi, le ciel est ouvert pour ta vie. Yes. Porte alors le fond, mon ami. La Bible dit, même si tes péchés étaient rouges comme cramoisi, et Dieu les rendra plus blancs que quoi? Alléluia, que Dieu te bénisse. Et je parlais de Moïse. Moïse avait un grand problème. C'est ce que nous allons voir. Exode chapitre 4. Les versets 10 à 14. Mais à la maison, vous pouvez lire les versets, dès les versets 10 à 17. Nous allons lire les versets 10 à 14. J'ai lu en nom de Jésus. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date pas ni d'hier ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. » Attends. Moïse avait un problème. Son problème-là ne date pas ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni d'avant-hier. Son problème-là datait déjà longtemps. Vous pouvez continuer. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme, qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Alléluia, attendez. Même des gens qui sont muets, c'est Dieu qui permet qu'ils soient muets. Même les sous et les aveugles, ce qui rend cela muet. 12. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et j'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Je pense que là, ça doit vraiment nous aider. Moïse qu'on voit puissant, avait déjà ses problèmes de longue date. Et Moïse voulait pas accomplir la volonté de Dieu. Et laisse-moi te dire, si tu n'es pas capable, Dieu va t'enseigner. Amen. Si tu ne peux pas le faire, Dieu t'apprendra. Amen. Si tu es incapable, Dieu t'apprendra. Amen. Dieu a prouvé à Moïse, premièrement que tu as un bâton dans ta main, jette ça. Cela est devenu un serpent. Il a pris. C'était le premier instrument. Le deuxième instrument, Moïse pensait seulement que Dieu va l'utiliser aussi ce qu'il a. Je laisse-moi te dire, Dieu peut utiliser ce que tu n'as pas. Ce que je n'ai pas, berger a. Pasteur bienvenu peut l'avoir. Alléluia. Méchec peut l'avoir. Alléluia. Et laisse-moi te dire, Dieu était en colère. Si tu es choisi par Dieu, peu importe tes qualités, peu importe tes défaillances, ne lâche pas, n'abandonne pas à cause de ta personne, n'abandonne pas à cause de tes capacités. Accepte la volonté de Dieu, parce que Dieu lui-même sera ton enseignant. Vous savez comment moi je l'appelle? Je l'appelle Adonai. Adonai, cela signifie quoi? Seigneur et maître. Alléluia. Et laisse-moi te dire, Moïse ne voulait pas de ça. Il dit, tout sauf ça. Parce que s'il faut parler, les gens qui bégayent, quand ils commencent à bégayer, ils deviennent en colère. Peuple de Dieu, quand Dieu agit, glorifie plutôt Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas reçu la bénédiction. C'est Dieu qui a placé la bénédiction dans leur vie. Il y a des gens qui les a dit, les morts les a dit, vous serez derrière. C'est Dieu qui a voulu les passer devant.
Il y a des gens que le monde ne considérait pas, mais c'est Dieu qui a rempli, mis la considération dans leur vie. Il y a des gens qui sont seulement insultés pour rien. Il y a des gens qui sont traités de brigands. Mais en Jésus, il n'y a pas cette différence-là. Si l'Église veut aller en avant, ne qualifie pas des gens. Alléluia. Et vous allez remarquer quelque chose pour certaines personnes. Quand je fais quelque chose, je connais beaucoup de choses que peut-être je ne connais pas. Mais il y a d'autres choses, je pose la question, comment on fait ça? Alléluia. Et il y a des choses que je connais, mais je ne connais pas tout. Alléluia. Il y a même des erreurs dans l'ombre. Quand on fait certaines choses dans l'église ici, vous voyez les gens ici, il y a des erreurs dans l'ombre. Et aussi, il fait quelque chose. Il ne faut pas croire que c'est des pasteurs qui font. Ton truc est meilleur. Parce que Dieu t'utilise. Et si l'église doit comprendre cela, Dieu lui a dit à Moïse, regarde, ton frère va venir, Aaron. Tout le monde est utile. Aaron avait un grand expression de sa bouche. Dieu veut utiliser ta bouche. Et Dieu a vu la capacité qu'il avait là. Il dit, écoutez, n'est-ce pas ton frère Aaron? Quand il va venir, quand il viendra, il sera dans la joie. Quand tu viens, si Dieu t'a choisi, sois dans la joie. Amen. Moi, ta présence me donne la joie. Yes. Ta présence me donne la joie. Amen. Plus qu'un digi-digi. Ça me donne la joie. Parce que je sais là où je me limite, toi, tu le feras. Amen. Parce que je sais là où je ne peux pas avancer, toi, tu dois avancer. Amen. Là où je ne peux pas, toi, tu le feras. Amen. Et si l'Église ne comprend pas, et les jours où les autres vont prêcher. Alléluia. Ah. Fais encore. Ah. Fais ah. Si j'étais sûr, il y a des fois, on ne peut pas aller en avant. Fais encore. Ah. Les enfants aiment ça. Taper, taper, taper les enfants. Ah. Et quand l'Église accepte l'autre, quand l'Église croit que j'ai ceci, l'autre peut avoir cela. Si ce n'est pas le cas, comme on a commencé cette église-là, hein? Les chanteurs, moi-même, j'ai commencé au départ. Nous, maintenant, à l'ancien succès de 1964, donnez essentiellement cette expression-là. Quand je chantais, les sœurs étaient là, chaos. Alléluia. Laisse-moi t'apprendre une chose. Vous croyez que je n'étais pas chanteur? J'étais musicien. Mais attention, quand Dieu t'amène dans une autre étape, il peut prendre ta capacité de donner à Kerem pour sa gloire. Cela ne veut pas dire que toi tu es fini. Il doit t'utiliser pour autre chose. Yes. Ne sois pas jaloux, Église de Dieu. Yes. Peu importe ce qu'il sont, peu importe ce qu'il fera. Glorifie plutôt Dieu lorsque l'autre s'élève et montre pour la gloire de Dieu. Amen. Ne sois pas jaloux. Quand je chantais, on m'a dit encore un embargo. Personne ne fait, va travailler. Il n'y a que toi qui va le faire. Quand je mettais mes chansons, ah, ils ont entendu Moyo, Bama, Mamoyo. Quand je vais chanter les sœurs bénies, ancien succès. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il peut t'utiliser. Moïse avait des failles. Qui peut croire que Moïse avait ses failles? Mais le choix de Dieu n'a pas changé. Lorsque Dieu te choisit, peu importe tes failles, peu importe tes défauts, car parce que c'est toi qui as choisi. Dis à l'autre, Dieu t'a choisi. Et lorsque nous parlons de choix, vaut mieux accepter le choix de Dieu que fuir. Vous allez entendre, la première chose, quand Moïse réagissait comme ça, Dieu était déjà en colère. Nana comme ça, Rababa. Nana comme ça, Rababa. Tu comprends l'histoire que je vais dire maintenant? Toi, tu comprends. Un homme était là, quand les autres étaient en train de bégayer, lui, il faisait l'interprétation des bégayeurs. Baba, 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 baba. Il est devenu, il bégaye aussi aujourd'hui. Je dis la vérité, hein. Berger est là. Berger est là, il rigole parce que c'est ce que je suis en train de dire. Et laisse-moi te dire, si nous voulons avancer, il doit arriver un moment où les gloires, maman gloire va se lever pour la gloire de son Dieu. Même s'il ne connaît pas, nous allons dire Hosanna, gloire au Seigneur. Parce que lorsque Dieu fait un choix, Dieu ne choisit pas des gens qu'il connaît. Laisse-moi te dire une chose, mon père spirituel avait 4 doctorats, mais il ne connaissait pas Dieu. Il avait même un doctorat
en théologie, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Tout ce qui les intéressait, je vais être professeur, professeur visiteur, professeur de tel cours, professeur à Canberra, professeur à tel pays. Mais laisse-moi te dire, ils n'étaient pas convertis. Tu peux connaître la Bible, mais ne pas aimer Dieu, de ne pas accepter son appel, de ne pas accepter qui t'a choisi. Mais lors le jour où Dieu lui a choisi, Dieu lui a dit, écoutez, est-ce que tu es capable de changer une ampoule de ta maison? Mais moi, je sais le faire. Lui, il ne sait pas. Alléluia. Et l'église qui accepte tout le monde, c'est l'église qui se glorifie. Des gens ont peur de venir à l'église. C'est pas des, s'il y a des vues, des gens ne veulent pas. Des gens ont peur. Ils ont peur de ton jugement, de votre jugement, de notre jugement. Et que la Bible dit, ne jugez pas en fait que vous ne soyez pas jugés. Je viens de donner l'exemple de ce frère qui avait l'habitude de faire l'interprétation des gens qui bégayent. Aujourd'hui, il bégaye. Il doit maintenant chercher la délivrance pour ça. Dieu le garde de sa bouche comme ça parce qu'il parlait mal. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire, si je suis devant vous, parce que j'ai accepté. Parce que j'ai dit, fais de moi ce que tu veux. Façonne-moi tel que tu veux. Laisse-moi te dire une chose. Nous ne sommes nés qu'un argile. C'est le potier qui décide de ce que tu seras. Ah, ton amen ne me convainc pas. Nous ne sommes qu'un argile. C'est le potier qui décide de ce que tu seras. S'il dit que je serai une vase d'honneur, ça ne sera dépend que de lui. S'il dit que je serai une vase de tous les jours, cela dépend que de lui. Moi, je suis qu'un instrument, il va utiliser quand il veut et comme il veut. Amen. Il m'a dit, laisse-moi t'apprendre une chose. J'étais dans cette ville-là, dans cette ville ici, dans des moments difficiles, je dormais dehors. Il m'a dit, reste ici dans cette ville, je vais prendre la gloire en ton nom. Je vais me glorifier à travers ton corps. Ce n'est pas ma capacité, ce n'est pas ma force, mais c'est lui qui veut se glorifier à travers ma personne. Et si nous sommes choisis, nous devons savoir, peu importe ce que Dieu fera à travers toi, ce que Dieu fera à travers tes mains, mais ce n'est pas toi, mais c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a dit à Moïse, dis-leur que je suis celui qui suis. Et dans cette église, il nous a dit, je suis vivant. Et si je suis Jésus est vivant, qu'il te glorifie à travers toi. Beaucoup des enfants de Dieu sont détruits. Lorsqu'ils commencent à bien chanter, il commence à négliger. Lorsqu'il commence à bien travailler, à faire quelque chose, il devient patron. Yesunde Mokonziawa. C'est Jésus qui est roi ici. Nous sommes tous des ouvriers et des travailleurs. À la gloire de son nom. Et si l'église, cette église, sera une église de différence, beaucoup de gens vont venir parce que les gens cherchent à retrouver la paix. Les gens veulent trouver la paix. L'église n'a plus la paix. Vous jugez les gens comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous prenez l'autre. Vous jugez comme ça. Comme ça. Laisse-moi te dire. La Bible le dit. Le royaume des cieux, ce n'est ni de manger ni de boire. Cela veut dire, viens en Jésus, il t'attend. Jésus t'attend. Tout ce qu'il a besoin, c'est de sauver ta personne, de sauver ton âme. On nous a appris le dimanche que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour les serviteurs de Dieu de cette église? Il y a une chose que j'aime toujours dire. Quel amour que j'ai envers toi, que les diables ne puissent pas voler cela. C'est le plus précieux que je peux te donner. L'amour. Et si nous allons comprendre, quand nous travaillons en mission, je vais donner un exemple. On est là, on vient avec rien. On fait ce que Dieu veut que nous fassions et nous partions. Alléluia. La même manière dans la vie. Tu peux faire ce que tu as besoin de faire. Mais un jour, nous allons partir nous tous. Le plus intéressant, ce n'est pas ce que nous vivons ici. C'est ce que nous allons vivre là-bas, au ciel. Dieu t'a choisi pour que tu vives le meilleur. La Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Moi, je ne l'ai jamais vu. Que Dieu te bénisse, passé bienvenue. Qu'on nous disait de nous autres, et de celui qui n'a pas vu, qui a crié. Moi, pour me convertir, j'ai vu quelque chose qui m'a fait casse, qui a fait en sorte que je puisse me convertir. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais toi, tu n'as jamais vu, mais tu as crié. Erré pour toi. Parce que moi, j'étais sans tout Thomas. Sans tout Thomas, cela veut dire, quand je vois, je crois. Je ne vois pas, je ne crois pas. J'étais comme ça. Ce que j'ai vu, toi, tu peux supporter ça. Alléluia. Il y a des fois, on me demande de voir. Nous avons dit, talisanga. Hein? Dieu est là pour nous donner la joie. C'est comme un mouquet. Nous n'aimons pas Dieu à cause des miracles.
ni à cause des visions, parce qu'il m'a montré tous les sorciers. Moi, je sais, j'ai pris tous les sorciers de Saint-Brieuc, je l'identifie tous. Ah bon? Alors, le nom de Saint-Brieuc, tu penses plus à ça? Dieu aime son peuple et Dieu t'aime. Étant donné que l'amour est sur toi, laisse-moi te dire que Dieu a préparé des grandes choses. Dis, Dieu a préparé des grandes choses. Dis encore, Dieu a préparé des grandes choses. Amen. J'aimerais te relater une histoire, parce que nous allons finir. Il est tout en tous, il est millions, milliards, paix, tranquillité, solution, jusqu'à l'infini. En tous, sans exception. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose, parce qu'avant Dieu a commencé le revêtement spirituel surnaturel, cet habit que Dieu veut te donner, si tu comprends tous ces messages que Dieu te donne, tu auras quelque chose de bon, parce que Dieu t'a choisi. Le choix de Dieu ne dépend pas de tes millions, le choix de Dieu ne dépend pas de milliards. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a choisi toi et toi seul. Tu dois comprendre ni les millions. La Bible me dit une histoire. C'est mentionné dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 18 verset 20. Mais la Bible dit, un homme était réputé, parce que cet homme-là était magicien. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 17 à 20. Cet homme-là était magicien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement respecté, parce qu'il faisait des miracles. Il faisait des tours de magie. Il faisait des choses qui impressionnaient tout le monde. Mais laisse-moi te dire, quelqu'un peut dire un jour. Dis encore un jour. Un jour, des gens qui étaient revêtus d'une habit surnaturel étaient venus dans cette ville-là. Lorsqu'ils sont venus, alléluia, tout le monde a compris que ceux-là sont rien. Les magiciens ne vont rien. Laisse-moi te dire aussi une chose. Lorsque la parole de Dieu, lorsque Dieu t'a choisi, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, des sorciers ne sont rien. Que le jour-là arrive dans ta vie, que le jour-là arrive dans cette église, que les sorciers vont comprendre que tu es puissant. Moi, ça m'est déjà arrivé. Un enfant qui est sorcier lui-même me dit que lui, je ne l'aime pas. Quand il me vit, il vient ici, il dérange. Si tu as la grâce de Dieu, tu es revêtu de la puissance de Dieu, laisse-moi te dire, même si le magicien le plus fort, le franc-maçon le plus grave, tu n'auras pas peur de lui, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au départ, je disais que le diable a des limites, mais ton Dieu n'a pas de limites. Ton Dieu n'a pas de limites. Ton Dieu n'a pas de limite. Ton Dieu n'a pas de limite. Amen. Je dis une chose, Église de Dieu. Si nous allons courber pour approcher de notre Dieu, Dieu va se révéler dans ta vie. Amen. Il va te démontrer dans ta vie. Bando ki bako banga yo. Bando ki bako ni manzambe na yo. Bando ki bako lobo sambe le kaya solo. Le confirmation de la prière viendra des autres. Bando ki bako ni maketi est réellement protégé. Cet homme-là voyait ce qui se passait dans la vie de ces deux personnes-là. Il a dit, moi je peux payer cela. J'aimerais avoir ce que vous avez. Mais laisse-moi te dire, ce que Dieu te donne, personne ne peut payer pour ça. Ce que Dieu te donne, personne ne peut prendre à ta place. Ce que Dieu fait de toi, parce qu'il t'a choisi. Le fait que tu entres dans le choix de Dieu, le choix de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Et Simon le magicien a dit, aidez-moi. Vendez-moi cette option, cette onction-là, je vais acheter. Laisse-moi te dire, si Dieu t'a choisi et que toi-même tu ne sais pas que tu es plus précieux que l'or, alléluia, ouais, tu es plus précieux que l'or. Les gens ont peur de la mort, mais l'homme, la personne que Dieu a choisi n'a pas peur de la mort. La mort n'est qu'un gain pour lui. On attend qu'un jour pour partir. C'est comme un voyage de l'Europe. Tu prépares déjà tes visas, tes passeports, tes visas, tes billets, ta subsistance. Le jour de ton départ, on dit qu'il est arrivé. Je dis que je m'en vais. Alléluia. Et Dieu t'a choisi pour se glorifier à travers toi. Chaque fois, chaque jour, Église de Dieu, disons que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Amen. Le basso qui l'église n'aime pas l'axe à bilamba, bisous ton axe à bilamba, t'es na combo na yesu. Le basso qui bisous l'église n'aime pas zoa, bisous ton zoa, t'es me yaka au mona yesu, na combo na yesu. Ceux qui bisous l'axe à ma griffe, nous n'en sommes pas là pour des griffes. Le banzamba ponangaï, Dieu m'a choisi, Dieu m'a choisi. Il veut tout simplement se glorifier à travers moi. Viens comme disait la, comme dit la Bible, viens et vois. Des gens ont peur. Moukolo kotonga moutou koma peli koukouma. L'église on a laquelle yo. Amen. Amen. Ah, pesa na mena songi songi. Amen. Po awa ezala kate.
Laisse-moi te dire, il y a des prières qu'on entend comme ça, il y a des prières des secrets. Avant que cette œuvre commence, moi j'ai prié pendant une année. J'ai dit à Dieu, j'ai dit tout ce que je vois dans cette église, ça n'entre pas dans ta maison. Amen. Je préfère que quelqu'un ne vienne pas, que qu'il amène de mauvaises choses ici. Amen. Et c'est ma prière. Moi je refuse l'enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire je refuse l'enfer? Hey, quelqu'un peut dire encore à haute voix, je refuse l'enfer. Le bango peut être c'est mon accord dans la bonne galifée. Alléluia. Tu veux entrer en enfer en cause de Kotonga, à cause des insultes. Oh, regarde, elle là comment elle s'habille pas bien. Regarde, c'est là comment elle est pauvre. N'entrez pas dans ces choses-là. La Bible me dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus. C'est pour cela que je t'ai dit une chose. Les 31 viens comme tu veux. Ne t'habille pas bien. Parce que tu viens te battre. Cela ne regarde pas la fête. Combien de fêtes que toi tu as fêté, des enfants sont, tes frères sont en train de souffrir. Alléluia. Combien de fêtes tu as déjà fêté? Cette année, non. Trop c'est trop. Dis trop c'est trop. Venez ici pour chercher Dieu en disant que cette année, la 2020, la malédiction n'atteindra pas mes enfants. L'année 2020, je serai une femme de bénédiction. Je vais une faveur extraordinaire dans ma vie. L'année 2020, je marcherai la tête haute. L'année 2020, j'aurai mon permis. L'année 2020, de nouvelles choses doivent commencer. L'année 2020, je vais marcher différemment. L'année 2020, tout le monde verra que Jésus m'a choisi réellement. L'année 2020 sera différente. L'année 2020, je ne vais pas vivre dans la pauvreté. Amen. Qui peut déclarer cela? Amen. Alléluia. Amen. Mon frère Paul, que Dieu te bénisse. Amen. Laisse-moi te dire, un homme, on a dit choisi des militaires. Il n'a pas choisi n'importe quel militaire. C'était seulement des gens qui étaient dans les conditions de comprendre que Dieu peut agir même à un petit nombre. Ceux qui vont boire contre moi à tous les hommes, c'est ceux-là qui seront choisis. Que Dieu bénisse la parole parce que Dieu t'a choisi.